Commissaire jean Ernest Muscadet, peuple haïtien, captant en dedans ou à l'extérieur pays. Jeudi, c'est 27 septembre 2024. Je vais parler avec yo. compatriotes, compatriote yo. haïtien qui souhaitait que Haïti gagne sécurité, gagne la paix, gagne stabilité. Je nous prêter attention pendant quelques minutes. Nous prenons le de parler. Commissaire Jean-Ennès Muscadet, complot monte pas par là. Quelle question que ke nous posé et nous souhaitons grand public nous ait posé la question pour nous. Pour qui ça, chaque grand monde qui prend défense ou bien campe, bon côté majorité peuple, qui prend des décisions qui n'ont pas intérêt pas ici pou paye sa pour payer pays capable de la paix, pour qui ça, un groupe de gens qui pavent les Wells et qui prêt pour éliminer et qui qui montait de toutes pièces pour que vous t'avaient éliminé Mounsa discrédité fait comme si n'avait tout travaillé par son papier et au même majorité, si que tête tout pas bien place sous les épaules quelque part ou quand même fini par nous compte que Mounsa cap travail pour vous pas travaillé pour ouvrir tellement il y a manipulé ou tellement il y a travail dans l'opinion faire comprendre que miskade c'est un criminel nous comprenons Nenel Kasi, nous voyons Pierre Espérance nouwèw di les drogue nan nan nip yo nan studio nouwèw ouais, nou Assassin criminel yo ki nan politique ki bezwen fè politique nan nip yo nouwèw ouais, nou gòn green bagay ki m ap pran de moun nan nip pou di m'a e m ap de pep haïtien dil san n ap chèche nan boude diabla n ap joine ni muska de nan tèt pa kemiragwane li c'est préfère de discipline li sénateur moun nan nip député moun nan nip li c'est délégué départemental moun nan nip li c'est commissaire police moun nan nip juge de paix moun nan nip. Lycée toute sa moun nan nip, ta doit gagner comme autorité nip, c'est côté qui gagne la paix qui gagne stabilité pour qui ça on a besoin fin avec Muscadin papa haïtien dernièrement dernier coup qui tuer Dieu coucou n'a pa pas passé n'a pas utilisé ex madame commissaire Muscadin maman deux petites malheureusement demoiselle là pas une tête bien placée sous épaule li li quitter vagabond principal l'utiliser. heureusement pour nous et pour les tout avec famille nous te information une formation à temps. Nous te dit, là, là. Attention, n'a pas de presse, mais comment fonctionner Et nous allons l'exemple pour lui, Chelson Nous disons, mais ça pièce, c'est fait. Ça coûte 10 ans de prison dans la ville. C'est ça, Haïtien. On le compatriote dans les réseaux sociaux. Qui campaient pour le chelson d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il est en prison toujours. Ça veut dire que Demoiselle, ça, il est périt. Et monsieur que, je dis à comprennent il comprend, il fait retrait. Parce qu'on n'est pas capable, avec le commissaire petites de nous condamner pour que nous rêvions en contact. Ça veut dire qui ça? jean ns Muscadet n'a pas besoin de détruire. Jean-Henri Muscadet n'a besoin de finavel. Jean-Henri Muscadet bah n'a besoin de problème. Jean-Henri Muscadet, dérangez-vous. Et comme si vous commissaire-là le commissaire vient devenir une véritable menace pour les assassins, pour tous les criminels. Pour qu'ils ne soient pas dans la gang, pour qu'ils ne soient pas dans la gang. Pour qu'ils ne soient pas dans la gang. Pour qu'ils ne soient pas dans la gang. Pour qu'ils ne soient pas dans la Pour qu'ils ne soient pas dans le gang n'a qu'un peu monde pour la briller, pour la elle. Comment on fait à Dernièrement, mes amis qui voient une photo, on a une vidéo. Quand il y a deux jeunes garçons, on équipe quitté le champ de la Monsieur, moi, y a un gros bout de bâton fait. Pour la plague coup de bâton fait dans deux jeunes garçons. Je vais garder là, monsieur, je tout alors, paye, le temps. Demain prochain, alors, pour qu'on ne qui campent dans le pays, qui les les jeunes qui campent en face coalition terroriste, gang sayo. Alors pour ne dire que ça que... Ou qu'on pas fasse Ah, mais quoi ex madame commissaire Muscade pas pas passé. Qu'on a Muscade pour une gang, prenons un criminel. qui a fait toute qualité. Mouvement Green 5 que mon Kanapé avait malheureusement pas au courant parce que M. Ferravelan lui fait la distance. Muscade qui est avec preuve à l'appui, tout bon genre d'informations. Et Muscade voyait ou moins. Moui, je me dis que ça m'a quitté. Negs qui ont parlé en l'air et puis pour moi qui est-ce qui est mes muskades qui est-ce qui parle mes commissaire muskades et définitivement n'ayons seul jour non seul jour nous êtes toutes nég qui n'est qui gueille quoi qui parle mes muskades nous êtes qui est-ce qui a peint sur les réseaux sociaux qui parle mes muskades et ça comme on a pas toujours dit c'est l'heure où ils veulent nous cafou conter que bagarre là peut-être pour le parete petit jeune noir et les so opérateurs qui est-ce qui a mis des petites lumières sous Chiméo. Mais Miskady était tête effrayé parce que lui-même, les connais des éléments, nous il connaît pas. J'en fait couranté. Mais nous-même, comme il s'est conséquent, qui connaît le commissaire Miskady et traversé fait nous capi beaucoup de l. En. Mais nous étions à observer pour regarder qui est-ce qui a frappé le commissaire Miskady et Noël Mais nous ne savons qu'à frapper le commissaire-là, n'a dit petit bon dieu que io, quel bon dieu protéger parce que ça Miskady a fait la bon pour tout peut-être que il y a des monde qui choisissent payer io pour utiliser pour qu'il frappe le commissaire Miskady. Mais nous ne savons tout. Qui est au pays, il t'a arrêté dans le pays. Yon, monsieur, vous êtes en Haïti qui tout, arrêté de sortir sorti port de presse pour entrer dans le Grand Sud, qui t'a arrêté sorti sortir port presse pour entrer dans le Grand Nord. Ça veut dire que les gens croient que sont dans le paradis vrai, mais a utilisé. Ça veut dire que ma petite, tout le monde qui a le commissaire muscadé, ressaisis-nous parce que, monsieur, Dame, li trop tard, parce que le virus yon, li traverse tout le secteur et tout a pays se ni Je ne sais pas si vous avez compris. l'État, ici, ne pas que le muscadé

avec présence commissaire jean nes Kadé, ou qu'a ka toujours venez faire politique. Aïe, 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 monsieur. Est-ce que nous, là, nous a le cas si besoin de tourner dans pour aller faire politique. Avec présence Muscadet, ou qu'a toujours fait faire politique. Même jean Muscadet a sécurisé le monde dans le L'hydro-sécurité tout. Mais, logique, pour qu'on ait que, ou à venez dans logique, pour qu'on ait que, ou à venez dans avec quantité de négroports au point sous lourdement armé de eau. Pou pour avoir une population pas poison, pression pour y'a un peu bon de côté. la période élection pour y'a un pou bon vote qui n'est pas démocratique. OK Eh mais justement, ça a fini. Et nous n'avons pas de garantie. Et nous n'avons pas de garantie. Nous n'avons pas de garantie. Parce côté qui l'élection, l'élection qui a fait soi. Parce que s'est passé, le peuple a pris le choix pour voter le que qu'il veut, avec toute liberté. Il est capable d'exprimer le que qu'il veut. Que ce bagay, élection fait fête à Katimini, groupe gang armé, tape, comme c'est n'a joué, contrôle on se descend de vote, ça, Muscadet finavel. Li finavel, et c'est ça qui dérangeait Nenel Kassi. Et c'est pour ça, que Pierre Espérance, à travers DRHP, pour ta éliminer, commissaire Muscadet. Et m'a dit ça très bien. Ça pour gagner gagné en semaine, non? Pierre Espérance, te Washington DC. Selon l'information que m'a Monsieur M. Gagne des rapports qui déjà allés l'international là déjà. La bataille, pour le commissaire des droits de l'homme dans Nations Unies. Et mais pour arriver niveau côté que pour faire pression sous Gary Patil qui c'est Gary Konni premier ministre de facto qui pas gagné la la petite pays pour Pierre Espérance tava un support de blancs corrompus dans l'international qui que l'a travaille pour eux pour aider une révocation commissaire Jean Ernest Muscadet. mais pas oublier Nenel Kassi sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour gang pour financer gang pour assassinat, pour crime Nenel Kassi sanctionné par le Canada pour gang, pour assassinat, pour financer gang. Patron Nelkasi, boss Nelkasi, Renald Zib, sanctionné par les États-Unis d'Amérique et le Canada, pour gang, pour criminel, pour financer gang criminel et financer pays lock. Dans le pays d'Haïti, nous sommes payés en pendant 4 mois. Ça veut dire qui ça C'est des criminels notoires qui ont Et nous, nous devons nous faire au bout de la langue dis en pays, nous venons parler, parce que nous parlions que nous gagne un indice dans nous nous gagne assez qui chaille dans nous nous gagne assez de sienne dans nous OK pour que nous parle ensemble avec eux et n'a dit commissaire miscadin rete tête fratte bon dieu dans ciel là camper dans dos nous pas capable tu bataille nous qui arrivés trop loin et nous pas capable faire bac non plus OK l'important ça veut dire que majorité à venir et n'a fait bataille là quel que soit les prix à payer parce que faut que nous fassions... si des salines te sacrifier pendant ville pou lte kapab libere pep sa nou men. Kom sitwayen Haitien, il fò ke nou prengajman, responsabiliten pou n'pemet ke peyi sa jenot li. E mdil, komisè miskade nou ave ou. Paske twap moun, twap krim fèt an Haiti. Twap kidnapping. Nè ke fin ave kon jenès. Paket ti Haitien yo soti an Haiti, al pase mizè an Dominika ni. Nè pot vagabo, nè pot koko atout kote yo soti. Aveni ou ili medam yo. Bel ti moun, ti moun kal l'ekol. qui t'a donné l'université en Haïti. Mais malheureusement, il a pris l'humiliation, là, quand il voisin. Parce que tout simplement, là, quand n'est pas bon, par au il n'y a pas de bois. pas continuer à te cailler. Eh bien, dans ce sens-là, il est obligé d'aller, et pour un petit temps, là, il voisin. Eh bien, jeune demoiselle, ça yo, mesdames, ça yo, belle-simoune, ça yo. Eh bien, je dis, il m'a dit que, il n'y pas vivre en Dominicanie. OK Il n'y pas vivre en Dominicanie. Il vivre réalité, ça. Parce que moi-même.. Moi, je pendant un bon bout de temps en Dominicanie. Moi, je well. Ça veut dire, finis avec fin avec Haïti dans le niveau ça yon fin avec jeunesse haïtienne. Et il faut que les gens allé en Dominicanie pour garder les jeunes garçons, jeunes et les nou yo pour garder pour la vie, qui mode de fonctionnement ki ont gagné. Mais malheureusement, yo obligé obligé de yo pour yo pour prendre des en Dominicanie parce que en Haïti, c'est physique à fizé yo, Immigration ne sont pas en Dominicanie mais obligé rester parce que ils pas subi kidnapping. Mais quelque part, il y a un autre modèle de kidnapping qui a subi en Dominicanie. Un kidnapping légal, mais qui n'est pas cher, qui environ 15 000 pesos et 20 000 pesos. Comment lié? Immigration pour nous, policier pour un, militaire pour nous. Ils nous bout de machine et puis vous faire contact pour que ça soit venir. Si ça ne un pas ne prive pas priver Aïna. Si vous avez un pas ne pas priver nos commissariats. Si vous ne un pas tout eh bien justement, nous avons une blague dans la machine à, la temps à Mais, on attendait autant de Kobe arrivé pour les libéraux. Mais pour les libéraux, là, on l'autre camion qui passer pour encore. Ou après les pour en l'autre coup. Ça veut dire que ça? Haïtien ne vivent en dominicanie. Qui ça fait à la Haïti, pas qu'à vivre pour les petits Même si la a vivre pour les Dominicains. Ça veut dire que ça? Je dis que tout prend responsabilité. non Ou même comme jeune, je ne peux pas m'en la vie candidat, député ou à devant. Souvle tout, et c'est doigt. Et c'est fort qu'on fait le tout parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui sont dans la politique, il faut qu'il y ait des gens qui sont dans la politique. Même j'aime toujours dire, je ne suis pas là pour venir porter un candidat, un ne candidat. ça n'est pas intéressant. Je quoi que, il y a trop de choses que je suis capable de faire, il y a trop de façons que je suis capable de porter contribution, non, permettre que le pays ça, joue on la paix durable. Même Jean-Claude Wightleff, quand on dit, même jean fait une interview avec Wightleff, Wightleff dit, il faut que nous faisons des choses, il faut que le pays sorte là, et faut que nous mettons la patte là, parce que c'est nous toutes. Qui vous fait tout ça que vous êtes pour que le pays soit sorti là. Parce que ce n'est pas possible. Monsieur, Damou mon kidnapping, Vous va avec m -m masse de haïtien. La classe moyenne, ça va exister même encore parce que va décapitaliser complètement. Son la seule classe qui est dans le pays d'Haïti. La classe dominante. Qui font la seule qui a dans tout le quartier populaire. Elle a kidnappé quelqu'un qui sont la veille pour le jeune dollar américain pour la lâcher dans les oligarques. politiciens... L'abdistribue les amis tout partout pour qu'il un groupe pour l'élection privée, pour qu'il soit capable de gagner le territoires pour le contrôler, pour de votre capable de garantir. Monsieur dames, est-ce qu'on est capable de faire comme ça Je dis non que dans le pays sa? de San Salvador, avec le jeune président Naïm Boukele, l'itrace, son exemple, classe politique, bois. Secteur privé, bois. La justice, bois. Gang à patte bois. Et monsieur dit, c'est l'État qui a pris C'est l'État qui a pété la paix et c'est l'État qui a contrôlé toute situation. Et effectivement, c'est ça, monsieur fait dans le pays de Salvador et même forme illuminée je pense que nous l'a utilisé sauf que nous avons une police qui respecte les traités nous avons des militaires solides nous avons brillant l'armée même parce que y'en vous y'en a jusqu'aujourd'hui a Haïti avec va jouer notre lit les Haïtiens moins contents pour que moins disent bonjour bonsoir tout le monde Dépendant de qui est là, l'heure ou attendent nous et ou attendent nous encore une fois c'est un plaisir pour moi pour que ma femme avec nous, pour nous sous la plateforme Panouan, qui c'est plateforme Maman la plateforme Pépotéan, la plateforme Kipapéchaillan, la plateforme Cap Kabzijunier, qui est plateforme YouTube. Info, bientôt. A. Mais amis il nous partager, commenter, liker, et puis abonner si nous pouvons abonner, parce que c'est très important pour que nous rentrions dans la famille, ça, qui c'est la grande famille. Info, bientôt. Partager, commenter, like, et puis abonner si nous pouvons pou abonner. C'est très, très intéressant pour que nous fassions ça ensemble avec nous Je vous pile. Ça fait nous plaisir. Hier, yeah, c'était fête, nous. Vous comprenez, je style, et fête toujours, parce que Foucault, pourquoi vous cadeau, Foucault, moi, Foucault, moi, je ne pas cadeau non mais Foucault, Foucault, faut m'avez un cadeau, un cadeau qui nous toujours. Ma première, c'est chaque grand ami qui te souhaite nous et e, e bonne fête. Vous comprenez, moi, il y qui te prier pou nou. prie pou nou. nou 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 pour nous, qui vous voice, voix, à prier pour nous. Monsieur, vous sentez-vous, vous monsieur, madame. Vous nous tout, oui. Ah, papa, nous vous pile tout, oui. Vous avez dire moi, nous ça tout. Nous nous dans trois dernières années qui sont passées là. Nous prouvons nous ça. Ça veut dire que nous sommes alliés sûrs. Nous sommes mamans, nous sommes papas, nous sommes frères, nous sommes tous les nous sommes tous alliées. alliés. Nous sommes en dame. Ça veut dire que c'est ensemble que nous menons le combat. Et nous sommes petits pays d'Haïti. Et il faut qu'Haïti change. Très bien. Commissaire Muscadet, nous avons jusqu'à la victoire finale. Côté oua, Muscadet, côté oua, beni. Comment on va les côté peuple mettez mettez genoux à terre à prier Saint Miscardin Owa Miscardin préfère Miscardin vous comprenez moi Miscardin meni 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 Voilà c'est là côté meni peuple niguanen mettez genoux à terre levez deux mains en l'air pour y a prier bon Dieu pour le commissaire Miskadin et a pour remercier les photos Miscardin qui sont en billboard. Bravo avec tout citoyen citoyens haïtiens NIP, tous les justement qui contribue à mettre photo photos ça sous pied. Je salue Marie-Olivier je salue vous, un peu de respect, back jazla qui bon est là Marie-Olivier, je salue bon bagaille, parce que c'est l'important pour que ça, vous le faites dans ce pays ou même qui campe derrière le commissaire Miscardin, continuez à up li. parce que je des gens qui ou pas, je ne pas facile ah, papa, je veux nous conseille? Ou je veux que de Ou pas, je veux facile. nous nous aillons facilement. Je kampi que nous quand pas Ça veut dire que les jeunes muscadiens sont des éléments clés et sont cible à abattre. Sont menace pour le système. Muscadé fait peur avec les assassins. Muscadé fait peur avec les criminels qui ont kidnappé, Et Muscadé sont menace pour machin de yo pour machin de Balio. Parce que, pas oublier, avec Muscadé, des blévés n'ont plus au niveau dans l'état, mon garantie ou même qu'à vanzam il a frappé fort ou même qu'à vingt balles il a frappé fort criminel il a frappé fort méchant il a frappé fort et pour, pour qui ça n'est qui nous doit humain pas jamais poser question pour qui ça mon cap vanzam ans non? la justice pas tchéke souli qui ça que fait n'est qui nous doit zoomer pas frapper n'est qu'à vanzam ans le pays pendant que tout gagnio yo, il yo commençait témoigner quand il commençait parler il parlait de mon cap vanzam ans yo. Mais pour qui ça N'est-ce qu'il y a un pas pour dire que ça, mais tel groupe qui a 20 dans le pays, pour ne parler de lui. Nous ne pouvons pas faire. Parce que ça n'a pas garder, Ça n'a pas intéressant. Nous ne pouvons pas faire. Parce qu'il faut que nous tolérons ça. Non. nous dis que ça, nous ne pouvons pas tolérer. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Il faut que les Pays-Bas toutes prêté toute disposition pour que ça, ne continuer. Et son engagement. OK Son véritable engagement qu'il y a. Parce que la bataille ça, nous ne pouvons pas faire pour nous. OK, son vrai combat qu'il y a. On comment peut tantab remercier commissaire pour nous traverser. un nou chapitre qui est extrêmement important parce que nous pas parler politique, nous pas parler, nous le faire des commentaires sous intervention que Gadil fils fait sous tribune Nations Unies dans New York dans 79e Assemblée générale Nations Unies dans New York qui est justement monsieur font passer, tête chargée qui nous pas parler de lui. Et nous qui parler des critiques bidon de l'Odum, de le lo bagaille. Est-ce que c'est ça que ke me doit héros. Son ne Il pas des fêtes. mais de fêtes, les fines faites. Est-ce qu'on a défaite lui Lui, c'est une fête. Mais maintenant, qui s'en doit prendre Est-ce que c'est Ewa ce qui le fait avec Binot de Ndloa Ou du moins, c'est fait que discours qu'elle fait, fait qu'on n'est que, justement, espace qu'elle y a dans le pays d'Haïti. Son complot pété là? Mais comme où est là, de la défaite Mais qui sest capable de le faire Si on vient dans nous discours sous le tribunal que... des Nations Unies, en même temps on va courir, comme avec les groupes policiers qui viennent rentrer dans le pays d'Haïti, on ne va pas courir. Et nous ne pouvons si pas tolérer. N'importe qui, j'en sais il faut qu'on retire. M'dile, position pas claire. Je ne peux pas coulever cette traite. Même pas pour pas Haïti, parce qu'Haïti n'est pas grand pour craser la donne. André Michel, secteur politique qui a pouvoir, il a craqué tout le bagage Haïti. Mais par conséquent, il faut que les pays se connaissent que le groupe n'a pas là pour pour Il faut que nous tapions tabou la raza On bat les ouzi. On fait bataille. On fait dernier poté bourré. On soulèvement populaire peu que nous De patia eradike total kapital la klas politik tradisyonel da sasenyan ki se klas politik al aisyen. On fason pou ke nou kapab libeye peyi sa. Paske li trez important pou ke nou fe sa. On gade ti video sa. Pada kelke segonde, an atande nou travesse nou chapit sa. Se foto konousan diskanye ya, yon mwande pou tout moun mwete e ajenou ater pou ke yon onore rekonose. Men imaj ki bay problem nan. Men imaj ki fe asasen pe, men imaj ki fe kriminel pe. mais images qui font méchant e au peur, mais im, images qui font... Et, et toute gang n'a pas de preuve de ce Parce que je pensais qu'on on pas commis ce qu'on pays d'Haïti, quel que soit nègre et où qu'on est, qui n'a la justice, qui n'a pas de peine dans l'âme, toute bagaille, comme commissaire miscadé, ça seulement, les politiques à miscadé, tout le monde, et la présidente en veille. Et je ne peux pas me dire ça. Je ne peux pas me dire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne me dire ça. Je ne peux

en zone sécurité, mais puisque nous-mêmes, comme autorité, nous joignons et on ne nous support, ni moi-même ni délégué les délégués de Badou Matalla, mais t es -t es -t es -nous, nous sommes ensemble, ensemble avec la police, avec le commissaire Miskadé, avec le magistrat pour nous permettre. que ni plan espesyalman glasit e pou pe, pou pa pa pe, ya pou nou bete nos jason, pou pou emet kege sekerite nan bi, ya, e sak fe jounen jodi a prezans pou la, mba la mba mba marya jop, mson viselege set refoksyon, me mpone sa, pe im, son man reprezenté, ki sa fit mwenye nan bi, ya, e sak fe jounen jodi a pou m otorite m la, an person, pou m dike, pi a esferos, re sezilik pou retoune sou desisyon kote gen la, pou mande tout ambasade ameriken, tout evoke miskane. E nou menm nou di pep ni plan, pep gran suta e pep a y zi an pou leve kampi. Pou menm don chemis monsch langtou yo pou dike avèk an miskane nou mab negose. Si pou fayon lè ta vi nou konsak, lè zèm lè ta plak? Lè zèm lè ta plak, mbansè ke si ta gen yon desizyon ki pou avè, si pou fwa pa dike li menm personelman miskane ap travè, rifle miskane travè avè koubilasyon, mbansè zèm lè ta plak e vè mwen fal mbè yon konsans e pè pal mbè yon konsans. An bon, li fe sasyon sa prade? An li fe sasyon sa privye nan figyran bon, kwan, la mwote nou bagen lek, nou bagen dat, nou bagen chou. Men sa, ta mwen bon, menm sa, sa kwa w panse, ki sa ki ta fe, popilasyon pratikman yo apresye eh, komisyon miskanen kon sa? Mwen panse popilasyon an senti lan sekurite. Ye de moun ki apleye, le dron peti beti ouf, le dron peti, gen mwen seri de moun ki nan sektyon privye a. Non, Panenman bon, palo la, e va sektyon privye akme te goun diyo la. Se nou menm komite a ki sot si. De kon kon komite ki la kon nou menm depi nou tan de se komise Miskane atake, nou pre la riyan. E pa komite a kwen ten diyo. Napsa li jaspo a ki toujou ele nou, ki din ke nou pa ka kite sa pase. Jaspo a inou, a iti jaspo a inou ki toujou dim, ou nou pa ka kite sa pase kon sa, pa se biya esperans, ten aske pou la ça... revoke Miskane. E sa kwen jenè joti a nou la riyan, nou soupeton, nou pa kon pou ki lè, pou pou ki lè. Ase kon pa se biya esperans gen pou vwa sa a?

Pase genpil moun ki jounen jodi a ki vin nan gang, e pe mpe bi eksperansi pe mwen jounen dan. Genpil, e moun ki nan sekte pou i ve ya, se mpe bi eksperansi ki mwen jounen si di a sou sa. Genpil politisyen, senatèj depite ke nou te rote ki jounen jodi a la, ki va pou an batay pep la, ki debaye ou pou vwa, e bi eksperansi ki mwen di ou la sa. Mwen men pep la bon pou vwa, men de ba bon pou vwa, direk, indirektèman bon pou vwa. Men jounen jodi a, mwen men pe i, mwen men la kay mwen. E sa ki fe jounen jodi a mla

et Muscadet c'est que non c'est affaire pas non et ben bah mon petit bagarre encore mon ami point yo ils sont au mon ami point yo bah mon petit bagarre encore bah mon petit dossier parce que et frappe Muscadet, c'est frappe pays, a, frappe Muscadet, c'est frappe Nation, a, frappe Muscadet, c'est dit clairement, ou pas pour que pays aille stabilité, la paix, un changement là-dedans. Eh bien, nous, dit fait, faut qu'Aïti, ait la paix, gagne stabilité, faut que monde capable de venir investir dans le pays ça. Faut que même Jean-Dominique soit capable de vivre la Kaïli, avec la paix, tranquillité, la fonction, la fabrique, la vie nocturne, capable de bouger, tout pour monde avec activité et librement, eh bien, justement, nous-mêmes, nous devons prendre des dispositions pour que nous organisons tout pour nous permettre que pays aille. On avance. Je sous tourné sur le dossier commissaire Jean-Enes Piscadère. On a fait un coup de patte entre les deux Nations Unies pour aller à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. E monsieur et nous je vous ça très bien. Liberté, ce n'est pas jamais ça. Liberté, c'est prêt ou prendre pren ça. Liberté, ce n'est pas jamais ça. Liberté, c'est prêt ou prendre pren ça. Et je vous ça dis, Nou prel ten de diskou, prezident kou lev se tret lan, ki se Edgar Leblon fils, ke mwen, m fèlicite pou diskou a, e m fèlicite tou, moun ki ekri diskou a tou, paske babliye, nou toujou, konen ke, alo, probableman, Gadil Leblon fils, kap a petet ekri, ou pati nan diskou, ou biye bayi de paloui, men gede moun, ki spesyalize nan domen sa men, fok nou fèlicite yo, kout kriyon sa, kout ploum sa yo, li importan, paske babliye, tribune naso zini, C'est so, espace qui est extrêmement important. Passage sous plateforme, ça, c'est le monde entier qui a regardé et c'est tout le monde dans le monde qui a branché. Ça veut dire qui ça, c'est le meilleur espace pour que vous fassiez pendant 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, ou bien 25 minutes, il faut que vous que ça va dire dit ou, ke, di yo, ou di correct. Chaque gestion comptée, chaque image comptée. Moi-même, ça qui est important. Cette fête-là, son, on liens, on doum de l'eau, ou bien on pot de l'eau, ils prend tel bagage. Tel pour moi, même son stress quelque part. Mais est-ce que c'est ça qui est important pour moi? Non, je ne pas ça. Il fait déjà, comment elle est, je ne suis pas Mais sauf que ce qui est passé. Mais ça qui est important pour moi, c'est que pot de l'eau et pas. Moi, je suis deuxième partie ou bien dernière partie intervention, c'est que je Et pour moi, le couvre des rives là. Son négligence quelque part, son qui habitué, en province même j'avais moi qui habite à prendre un gros pot de loli, bagaille malheureusement, l'oublié pour t'apprendre verre Parce que ce passe pas ce pas doit aller. Mais malheureusement, il y a une de fête. Si fête est ce qui est une fin de fête, est-ce que je dois prendre ça pour fait le aller? Non, ça n'est pas intéressant. Nous, avons peut-être fait parler pour l'autre monde qui vient pour aller au président d'Haïti, connaît que nous devons être très prudents. Là, nous n'avons pas ça. Et il faut que nous soyons à l'aise, tout. Là, nous disons prudents, à l'aise. Même je l'autre Autorité, autorité, parce que l'eau qui est automatiquement, petit c'est normal, l'eau l'a disponible, ou fin de parole, ou cassé ko, et pour replier, on a fait petit de l'eau ou pour un coup, et pour mettre le bilan là, après on a fait un coup encore, ou continuer à parler, mais pas faire avec stress, pas de quoi parler, parole là dans le bouchon ou à péter le bilan de l'eau. Mais, je dis que ça m'arrête de soule. OK Je m'arrête de Mais ça qui est important pour moi, dans les Nations Unies, c'est là que je regarder. Dirigeants africains, jeunes dirigeants africains, dirige et chaque représentant gouvernement qui est le gouvernement putschiste en Afrique. Yo. Par exemple, représentant Burkina Faso, représentant Mali, représentant, et eh, ne sais conakry représentant Niger, et eh, président Sénégal, qui est Joe Faye. Je m'en des jeunes, je m'en et des fous qui gagnent, mon dit dit point clairement ou même comme jeune haïtien je disais qu'attendez qu'abgaré là ou d'où prendre engagement pren responsabilité pour capable faire tout ça qu'on est capable pour payer ça après le sous contrôle parce que la jeunesse c'est nous qui de capables de payer ça paye et moi en Afrique et moi le faire nous de tout à l'heure y un discours un vibrant discours un représentant Burkina Faso sur tribune des Nations Unies et me aïe, aïe, de toute façon, on pourrait aller dans les et par la suite, pour nous aller et pour mal faire, nous tendons vivre des bagarres. Parce que, je dis nous devons consommer en Afrique. Parce que, je pense que, si nous prenons le temps de nous pour analyser et regarder ce qui a passé en Afrique, nous comprenons, ce qui a poussé nos engagement engagement nous, comme jeunes. Même Jean-Guy Philippe dit, la jeunesse assume les responsabilités. OK? Et nous prenons le temps des

nous n'yons pas que ce n'est pas Edgar Leblanc qui est important. Mais c'est est, est, est Haïti qui représente qui est important pour nous. C'est le monde qui parlé de Haïti qui est important. Nous avons entendu Edgar Leblanc fils qui ben a fait l'apparition sous la sou tribune Nations Unies, na dans New York. Et dans la date qui était le 26 septembre 2024. Nous avons oublié ça. C'était jour fête Monsieur fait le discours, moi-même, parce que la deuxième partie du discours est important, Mais la première partie du discours est dérangé. Au font partie du discours côté que je ne pas pour vous, mais vous partie du discours moi que vous voyiez fleur, pour encourager pour force multinationale de venir seul sur le Papa non Pendant que vous prenez exemple sur Papa Nation, Papa Liberté, qui c'est de Jacques Desalines et puis vous comme si sur Papa vous comme si... Franchement, je vais me permettre les fins avancées et par la suite, on va faire l'intervention. On que ça puis important. On avance. Il y l'office le Et nous va le faire autant de là. Et je veux dire, c'est très important pour que nous entendions si extraire l'intervention que M. Ferre. Gadi, le bluffis. Entendez. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence. Monsieur Edgar Leblanc-Fil, président du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire. Et l'espoir d'un avenir meilleur, que je m'adresse à vous en appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, son Excellence Monsieur Denis Francis de Trinité-et-Tobago qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer, au nom du peuple haïtien, toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise, cette solidarité qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité d'aide humanitaire ou de soutien au développement est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde qui, tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au Bercaï. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants. Dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield, dans le Royaume, aux États-Unis. Très bien. La longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque. Entre nos deux nations, depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779, nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, Le tem de cette 79e Assemblée Générale ne laisse personne de côté agir. Pou mè mè mbati sa, li importan. Nè importan ki jan, bokoun sa kepi graf te bay la tou. El sa elot nagla li mèm. Sa l'da di la Nason Geni. Li pale nan nou Haiti tou. Sa vè di nou gen de reprezentant ki pale. Swa, mè mè mbati la graf. De tout fason, anotan <laughs> de it gale blanfis, m konen ki posisyon nou deja sou kisyon bagay konsey presidansel tout. M konen nou kles ou sa, Ça n'a pas mis en rien et nous ne connaissons pas et là. Ce qui est important, c'est que est-ce que nous cohérent cohérent. Mais nous n'avons pas le temps de le blanc fils, de partir dans le discours. Ça pourrait compter que au fin, on dit toutes grosses paroles et par la suite, on a l'autre bagaille. Hum. En tout cas, en la paix, la Le de de développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures résonnent profondément avec les défis majeurs. Auquel le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voies, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale les nations unies dans leur mission historique de promouvoir la paix la sécurité et le développement durable se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées mais l'ensemble de l'humanité. le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. d'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables, comme Haïti. En 2023, le programme des Nations Unies pour le développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon l'Euro Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient la violence en quête de sécurité et de dignité. L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien. Elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation met en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés doit impérativement bénéficier de soutien pour combler cette fracture numérique. Et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui, avec fierté, que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la Révolution haïtienne de 1804, ayant lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial, et esclavagisme, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. Voilà, ça y est, on mérite un petit applaudissement parce que moi même m'a dit non ça honnêtement. Et, franchement, m'a pas voulu parler trop d'yeux, honnêtement. M'a pas voulu parler trop d'yeux. Mais m'a dit non que Nous critiquons pour nous là Nous connaissons que l'action qui est posée dans le pays d'Haïti est avec ce que a dit. Mais sauf que, ça, ça, c'est important. Parce que, sous tribune des Nations Unies, il veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est côté Macron qui C'est côté tout Français qui a Sur Sous tribune des Nations Unies, c'est côté représentant, la Russie qui a C'est côté toute Russie, Fédération qui a sous tribune de la sous c'est côté. Espagne peut le parler, vous pouvez parler, et puis tout espagnol peut hein? le garder. Espace ça, Il se espace ça, c'est là qu'on peut parler. cest que c'est le mot antiqu'il N'importe qui, genre. faut qu'on fasse. Pour moi, qui passe à jouer là, même pense que Monsieur Gouin est fort qu'il fait. On continue tant d'elle parce que Je qu il y pense qui est important. On avance. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officiel du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans ah, le cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité. Le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à, un nouveau, à nouveau à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminé à mener haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice. Une instabilité politique persistante, une précarité quasi-générale et une pauvreté dégradante se posent à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche en toute confiance vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce Conseil qui rassemble l'organisation de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous, la communauté internationale. Les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un État de droit. En ce sens, l'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions paralyse l'économie, mine l'espoir de l'endemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50 de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences Exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre, afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 26-99 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya. Pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui y ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Ça c'est là, et partie ça et, et, que Edgar Leblanc vous même voyez fleur. Sa pa enteresans, sa pa bon. Bay manti. Pati sa se manti. Ok? Mwen pa piti sa basi. Mwen pa anvi di, di tro baga, mi saf ke, sa pa verite. Il jose pa verite. Ok? Il jose pa verite. En tout cas, kom se yi kri api kri, bako anè. Bekou, ni anmwen, reste ankon afer. Haiti a akyeyi plouzèr misyon de Nasyons Unis okou de 3 dernyèr deseni. Notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, Garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellence, mesdames et messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée. Et partisan discours m'avait vite entendu avec un en pile l intérêt d'accord C'est parti ça et c'est dernier Aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. Mmh. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'approvisionnement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Mm -hmm. Ça a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, ou plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées. des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Partie ça est extrêmement intéressant et c'est lui-même qui permet que moi-même moi pas rester sur le dossier bidon de l'eau whatever ça ça peut-être pas intéressé. Par contre, c'est parce que me maison. mes mais de toute façon, c'est que ça n'est pas ça qui est intéressant, lui-même qui m'aime. Vous comprenez Haïti a confiance sans réserve dans de l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, Haïti est par mon non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée structuré et bien documenté. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Voilà. Voilà, entièrement d'accord et applaudi. Et, 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 alors, Edgar Leblanc, qui fait office du président, conseil présidentiel, que nous connaissons, nous connaissons les Haïtiens. Mais maintenant, comment répondre-t-il à nous? Il faut que nous quittions l'hypocrisie de côté. côtés. À partir de maintenant, l'État pays d'Haïti doit tourner sous décision côté que, il va envoyer des soldats. Des soldats à la formation dans le pays de la France. Là, il faut nous cohérent ne n'est pas que nous prenons le voyage militaire, nous prenons la formation dans le pays la France, pendant que nous demandons des restitution, nous demandons de l'argent, nous. Que fait nous payer mal pour l'indépendance, messieurs, dames. Et pas, ça y est. Nous n'avons pas les des des milliards de dollars américains. En pendant que ça, ou rentre dans la scène, on s'en prend au sérieux, et puis pour soldats, nous, militaires, nous. Qui militaire Militaire, l'armée d'Haïti. Qui est l'armée c'est l'armée indigène qui te combat les Français pour être capable de libérer, soutenir dans l'esclavage. Monsieur, dames. si nous sommes l'histoire, nous, mais si nous voulons être cohérents, il faut que nous regardions les choses. Nous, quand il y a un soldat qui a la formation dans n'importe quel autre pays, il a pas qu'à la France. Il a pas qu'à la France, il a pas qu'à la France. Je vais vous montrer ça. Excellence, mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité. Voilà, mais la justice, le respect, et là, et là, M. Bralfe et là à Goubido de Loli, ça Bah, 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 Je vais pas à ça. Les Boutilé. défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissé pour compte. Vive Haïti. Vive la coopération internationale. Demain un autre pays, demain un autre monde. Voilà, merci en pile. Et c'était Edgar Leblanc, Blanc, pour moi-même son discours qui est bourré avec émotion, partie ça. Et, et c'est un parti pour moi-même, non seulement M. Abdil, mon senti, et, 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 et M. comme si on a parlé là maintenant. Mais nous, qui patti, qui n'est intéressant pour moi, et nous, voulons pas voulu parler de lui-même. Mais sauf que, moi, pour ça qui est important, parce que c'était Tribune des Nations Unies, c'est Haïti qui parlait. Maintenant, on allait dans l'autre dossier qui est extrêmement important pour nous. Parce que je me dis ça, moi-même. Ouè, ouè, franchman, se Bukina Faso pou msati mda ye, le mbwal motri nou sa. Mbwal rale, reprezentan Bukina Faso, reprezentan jen kapiten Ibrahim Draoré sou tribune Nason Zuni, mbwen ki fon diskou tèt chaje e ke mbwen 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 vitè nou tan di avèk an pi l'interè ansan avè mwen. E... Ouè yo, Et tout à l'heure. Et messieurs, messieurs africains, moi-même, franchement, nous sommes obligés par une fixation sur ce qui passe en Afrique pour nous permettre de garder et de comprendre qu'on ça tout. Parce que 2 millions haïtiens 3 millions haïtiens qui n'ont cherché, qui sont juste bon machette pour libérer son pays, ça, c'est pas trop difficile pour nous jeuner. Parce que il y a pour que le pays qui a fait le Y ap konen ke se pepl la ki prengajmal pou le soti nan sa. Ok? Y ap konen se pepl la ki prengajmal pou ke le soti lan jan de situasyon sa yo. E se bombare ki fasil, son komba ki pa fasil, men nou dwe preng responsabiliten pou nou pemet ke e kote jen kapiten Ibrahim Draourie la Parce que ça j'aime bien le fait d'entendre la telle main intéressante. D'ailleurs, il me a une capitaine là pour mettre le sous écran C'est bien là. C'est bien là. C'est la capitaine Ibrahim Traoré. T'as l'heure. T'as l'heure. Permets-moi chercher ça. Ok. Et discours de Galé Blanc. Parce que ça, pour nous, c'est pour nous comprendre, pour nous entendre. Hein. Nous, elle, déjà, mais même

Espace à côté de Galé, c'est là le président américain qui parle. Joe Biden. Ça veut dire que son espace. Vous devez faire effort pour que vous passez bien là. Ok. Voilà. Je vais mettre le capitaine Traoré sur l'écran. pendant que nous prenons le temps d'intervention l'intervention là au niveau des Nations Unies. Ce qui peut être intéressant. Pou nou ta va patajan sa ma ve ou. Prezident la transition chef de l'Etat. Ok. Nou pral tande avèk an pil interè intervensyon sa. M ap envite nou tande el pweske pati sa nou m baka pa patajan la ven. Honètman. E nou pral tande intervensyon ou reprezentan Bukina Faso a sou tribune naso zilè nan Nouyok. Chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple, président de la transition, chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde. Qui en ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Le Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali, Ruben Uniobe et Félix Moumier du Cameroun, Sylvanius Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malton X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngwabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isodore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, yeah. l'hypocrisie diplomatique, oui. la boulimie du pouvoir, uh -huh. la recherche effrénée du gain, uh -huh. l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme okay. sont les vraies plaies qui gangrènent notre vivre ensemble. Et font courir toute la société à sa perte. C'est vrai. Y compris donc notre organisation, l'ONU. L'ONU. Ah, Son Excellence, Monsieur Antonio Guterres, mm -hmm. secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Mm -hmm. Son Excellence, Monsieur Joe Biden, président des États-Unis. Uh -huh. Son Excellence, Monsieur Denis Fri Francis, représentant permanent de uh -huh. la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Uh -huh. Élu président de la 118e session de l'Assemblée générale. OK. Son Excellence Monsieur Louis Ignacio Lula de da, Silva. da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Uh -huh. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune, à l'ouverture de cette 78e session. Primo, je cite :« Nous sommes dans un monde sans dessus dessous, des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. » Pour la deuxième personnalité, je cite, Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune à savoir, léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. Fin Très de bien. citation. Très bien. Pour la quatrième personnalité, je cite :« Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. Mm -hmm. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. » Cela suppose qu'on ait le courage de lutter contre les inégalités. Fin de citation. Très bien. La quintessence des expressions de ces quatre autres personnalités Très bien. signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons à défaut de les éradiquer, les améniser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenus dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, L'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, mm -hmm. dans le Sahel précisément, sur le Niger et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées pour badigeonner nos consciences de tranquillité transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été collectivement et individuellement par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable. Aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. Uh -huh. C'est cette catastrophe dit, qui a mis dame. la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide. Aïe, 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 monsieur. En 2011, général Mohamed Kadhafi, lapidé par son peuple. Je prétends que je prends un sample pour ki petet pe ap intereso, paske debou kon titan, mapman dotan de la vek an pen l'interer. E mwen di nou sa trebyen, mwen oblije avanse programasyon ou di mwes, pou nou anrichi programasyon nou, e, 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 avek mwen se li lolo bagay, fwa nou fon kout pat nan kontine Afrike. Paske goun revolte kap fet, goun reform, goun revolisyon kap fet, en e, Afrike la, sou ba e ete chaje, men se la jounes kap fel. Nou menm ki san vle nan pi da iti, ki san pa kap fel la, Pour que ça c'est des gars blancs, grands, qui parlent sur tribune des Nations Unies? Pourquoi ça on pour les jeunes qui dans l'âge de trentaine qui parle dans les Nations Unies? Après des gars blancs, l'autre grand monde. Il n'y a pas de qui est là, non? Pourquoi ça ne va pas des monde qui parlent, mais qui pose action? Alors, parole qui marche avec action. Et les gars blancs parlent côté, mais qui fait le contraire dans le pays d'Haïti. Vous avez quoi même? Ça veut dire que mes jeunes ça qui parler là, qui sont représentants, Burkina Faso, non seulement ça l'a dit, et c'est ça l'a dit sur les Nations et c'est ça qu'a exécuté dans le pays Burkina Faso et dans presque tout le continent. en avance, non. pas là intéressant. Entendez. Avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage, et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970, et le silence coupable voit la complicité de la CDAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention avec la France de Nicolas Sarkozy en tête a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye-BIS. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintés d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudés de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune, de l'ONU, invitant au respect de la Charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeur essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignes sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre le tra la traite négrière et le néocolonialisme. Ont eu leur sommeil de guerriers perturbé pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger telle une boule de coton à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge et honte d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéens, tchadiens, ivoiriens, comoriens, guissao-guinéens et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU. Et devant le monde entier, que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. Elles ne doivent pas être utilisées et instrumentalisées pour déstabiliser des pays frères en assassinant leurs leaders. Ce n'est qu'à ce prix que la charte de l'ONU et le droit international auront un sens. Enfin, parlant de la charte de l'ONU, et du droit international, un conflit entre la Russie et l'Ukraine est entretenu et voulu par certaines puissances. Ainsi, plusieurs pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, y ont déversé toute forte sorte de soutien, notamment militaire. Les populations civiles ukrainiennes engagées comme volontaires dans certains pilotes même des chars sont félicitées et traitées de patriotes. Le Mali, le Niger, et le Burkina Faso font face à une guerre qui leur a été imposée par l'impérialisme sous le couvert de terroristes de tout Akabi. C'est ma terreur et désolation. Malgré l'existence de cette même charte des Nations Unies, avec ses principes d'égalité, de justice, d'une part, et d'autre part, le même droit international invoqué à cette tribune de l'ONU, il y a nettement un fossé abyssal dans le traitement des questions. En effet, Prenant le cas du Burkina Faso, les populations civiles, face aux incursions barbares et meurtrières des terroristes, ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ces populations ainsi engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie. Ainsi, au Burkina Faso, nous avons 58 000 VDP, dont 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité formées, encadrées, orientées par elles. Celles-ci n'agissent que sur instruction et surveillance des FDS et conformément à des textes réglementaires en vue de protéger leur vie et leur bien. Ce sont ces patriotes que certains chefs d'État de la CDAO et de l'Union africaine, sur instrumentalisation de puissances impérialistes capitalistes, tentent de faire croire à la communauté internationale que ce sont des milices. C'est cela le mensonge et honte d'État, Monsieur le Président. Si la communauté internationale était honnête bien et sincère bien. dans son engagement contre le terroriste, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés. Sur leurs frontières communes, en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CDAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CDAO n'a pu débourser que 25 millions d'euros. De dollars, 25 millions de dollars US, où est donc le sérieux dans la défense des vies humaines prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples? Deuxièmement, le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses vallées locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État. Manœuvres immorales sont en élaboration dans des laboratoires criminels. Et malheureusement, toutes ces manœuvres et missions macabres sont pilotées en marionnettes téléguidées par des personnages de couloirs présidentiels africains. C'est ainsi que même cette fameuse initiative d'ACRA, sans le Mali, n'a pas fait long feu. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. Un exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir et de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur, un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement... Et cyniquement bloqué. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisi. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale Caractérisé par la non-assistance à état en proie au terrorisme, mm -hmm. l'hypocrisie internationale, mm -hmm. la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au piège de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité Très et bien. non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, Chanté par une certaine presse téléguidée. Depuis l'Elysée, je répondrai ceci. Oui, monsieur le président, c'est nous, les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges et éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale pour un progrès social véritable. Ainsi, le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Quand un pays s'appelle Russie, Iran, Turquie, Azerbaïdjan, Cuba, Nicaragua, Corée du Nord, le Burkina Faso y achètera et y vendra librement ses produits sans intermédiaire, encore moins une autorisation de qui que ce soit, et cela advienne que pourra. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, parlant toujours d'hypocrisie et de mensonge d'État, dans cette question de lutte contre le terrorisme,

et j'en suis certain primo dans le sahel nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères composés en majorité de soldats français mais également des soldats américains allemands italiens etc avec des armes des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde et malgré tout personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort Souvent avec des armes inimaginables. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, il n'y a ni usine de fabrique d'armes ni de munitions. Qui recrute donc ces terroristes? Qui les entraîne? Uh -huh. Qui les dote? Qui, en est qu Qui les nourrit et avec quels moyens? Croyez-vous à cette philanthropie au nord de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux de des Sahéliens? Si oui, qu qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement. La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. En effet, l'Assemblée nationale française a voté la loi numéro 057-7-27 du 10 janvier 1957, parue dans le journal officiel de la République française du 12 janvier 1957 pourtant création de l'Organisation commune des régions sahariennes, OCRS, qui regroupe des parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, de l'Algérie, etc. Cette zone n'a juste là pas d'égal dans le monde en termes de richesse de sous-sol. À titre d'exemple, la nappe phréatique la plus importante va de la Mauritanie à la Somalie, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye, le Niger, etc. Le journal Le Monde du 23 juin 1957 avançait le chiffre de 6 à 7 millions de tonnes de pétrole comme production potentielle annuelle du Sahara. En plus de ces ressources naturelles, nous avons l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, etc. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, Mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix. Pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 millions 415 813 kilomètres carrés et 54 États n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité, avec un droit de veto N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien donc, acte aux mentions diplomatiques grossières consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan Fougan de 1236 au mandat actuel Mali. De ce fait, que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Secondo, l'Afrique n'aime pas comparer les morts. C'est un manque d'éducation que de le faire. Par conséquent, je m'incline respectueusement sur la mémoire de toutes les nationalités ayant perdu la vie en Afrique en général et au Sahel en particulier. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron et qui frisent souvent le ridicule tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique. Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le piège de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, Monsieur Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC. En Angleterre, le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général De Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les deux guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre qu'on fait, livre de Bakary, camion professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des deux guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés. Qu il se confère donc aux sources Henri Léger, Rouge et Roat, rapport de fin de mission. En AOF, Dakar, le 13 juin 1950, archive du Sénégal, code 4D68, entre parenthèses 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci Je cite, L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes vos femmes, vos enfants, on s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris. Au travers des siècles derniers fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement piée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesses minières. Pour preuve, parlant de ces ressources minières, l'Afrique c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que. L'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km, face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km. Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km, face au Gabon, qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km La France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km2 face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km2. C'est fort de tout ce qui précède que justement Aimé Césaire, père à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrisent les affammes et les tortures. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Fin de citation. Pas Certes que l'Occident a violenté, mm -hmm. volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète. Il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être dit hum, sont les étiquettes profondément malheureuses. D'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme, car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2 000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique, l'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée, le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier, l'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la COVID-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde. Pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront elles mêmes mais si nous continuons avec ce jeu de l'autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges et hontés d'état, au crime organisé, au tripotage constitutionnel et à la fabrication de larbins à la tête de nos états africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'état. Mais paroles là. Bon entendeur. Salut. Dans ce sens. aïe, aïe, bon encore. Bon encore. Bon prends ça encore. en ça, tu ça là de position etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CDAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture de tripaquage constitutionnel avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront elles mêmes Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche à la diplomatie d'hypocrisie, <laughs> aux mensonges et hontés d'État, aux crimes organisés, <laughs> au tripotage constitutionnel et à la fabrication de larbins, à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut. Dans ce, sens, dans ce sens, et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. L'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de Liptako-Gourma, prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnelle. Monsieur le président, je vous signifie avec force et fermeté dans une haute et intelligible voix que Primo, nous, peuple africain, sommes frontièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste s'est avérée un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs, violeurs de constitution. Car étrangers au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme La réponse assurément est non, au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé. Des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapines au terrorisme malicieusement fabriqué, entretenu et injecté dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis. Ici même, est-ce cela la démocratie Et il se trouve des partisans de cette conception étriquée de la liberté pour justifier intellectuellement l'asservissement et la barbarie contre nos peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Oh, liberté, quel crime n'a-t-on pas commis en ton nom C'est pourquoi nous décidons désormais de dire non. Non à tous ces amis qui veulent du bien au point de nous menacer de guerre pour imposer leur amitié. Nous adapterons notre démocratie tant brandie et chantée par des loups dans des pots de bélier afin de sécréter par nous-mêmes le leadership politique adéquat pour nos peuples en vue de leur bonheur. Oui, l'émancipation totale et le progrès social véritable pour nos peuples constituent la finalité de toute action, qu'elle soit politique, économique, socioculturelle et ou sécuritaire. Troisièmement, les peuples africains en général. Et ceux saheliens en particulier ont découvert des chaînes d'aliénation économique, sécuritaire, socioculturelle matérialisées en accord secret avec la France et sont engagés à les casser pour leur émancipation véritable. Ce sont entre autres, premièrement, la dette coloniale. Nous n'avons pas fermé, nous n'allons pas fermer les yeux et la payer tout en laissant nos populations mourir de faim et de soif et voir de maladie. Deuxièmement la question de la monnaie dont le franc CFA appelé franc des colonies françaises d'Afrique n'est pas une priorité africaine. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, confère article 544 du code civil français, je eux même. Un brevet est, est donc détenu par la France sur le franc CFA. Elle est par conséquent propriétaire du franc CFA. Et elle alloue aux États francophones africains. Ce qui est marrant en plus est que le biais produit par la France pour l'Afrique de l'Ouest diffère de ceux de l'Afrique centrale en valeur monétaire sous la même appellation France CFA. Le seul document reconnaissant de France CFA est le décret numéro 45-0136 du 26 décembre 1945, dont les signataires furent Charles de Gaulle. Président du gouvernement provisoire, René Plevin, ministre des Finances et Jacques Soustelle, ministre des Colonies. Quatrièmement, la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics s'est terminé. Cinquièmement, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies, là également, c'est terminé, etc. Quatrièmement, personne n'applaudit un coup d'état. Mais si nous ignorons que ces coups d'État sont souvent des conséquences de la mauvaise gouvernance et des tripatouillages constitutionnels pour s'offrir des mandats supplémentaires, il y en aura toujours. Donc, ayons la lucidité de combattre les vraies causes en restant exigeants sur le respect des règles démocratiques et de la bonne gouvernance. Cinquièmement, les peuples africains ne sont pas opposés au peuple français, mais c'est plutôt la politique française, pleine de condescendance, qui est rejetée. En effet, la France, en repuisant le rapatriement de son ambassadeur, récusé au Niger, est une violation du droit international, notamment l'article 9, alinéa 1 et 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. En décidant de l'interdiction des artistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger en France, c'est une méconnaissance très grave de la portée culturelle en tant que moteur d'équilibre familial, communautaire, voire national. L'artiste est un médecin du psychique, même à distance. En déclarant qu'ils ne veulent pas de chômeurs, de migrants, de voleurs, etc. en France, nous en Afrique en général et au Sahel en particulier, ce sont les producteurs de chômeurs et de voleurs via le piège cynique de nos ressources que nous ne voulons pas. Mais sincère reconnaissance au peuple du monde, à l'ensemble des personnalités à tous les niveaux dans le monde qui comprennent et accompagnent le Burkina Faso. Le Mali et le Niger, dans cette montée certes difficile, mais s'adhère total sur le chemin de la pleine émancipation, l'expression de la dignité, de l'honneur, de la liberté, de l'égalité, de la prospérité, de la justice et donc de la paix. Face à la situation que traverse le Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a mis en œuvre des actions vigoureuses à travers l'adoption d'un nouveau plan de développement, le plan d'action pour la stabilisation et le développement, et ses quatre axes prioritaires qui sont, premièrement, la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Deuxièmement, la réponse à la crise humanitaire. Troisièmement, la réponse de l'État à l'amélioration de la gouvernance. Et pour terminer, le, le dernier élément, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Ces efforts visent à offrir à la population burkinabé de meilleures conditions de vie tout en saluant l'ensemble des partenaires à travers le monde qui nous accompagnent. Nous invitons vivement ceux qui sont toujours dans le doute ou tétanisés par des rapports au contenu faux, qu'ils sont les bienvenus au Burkina Faso, à condition que le partenariat cadre avec la vision de la transition résumée dans ces quatre axes. Vive l'ONU, vive la 78e session, vive les peuples en lutte, vive la solidarité de, entre les peuples, vive l'Afrique libre, vive l'Alliance des États du Sahel, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Nous vaincons. Okay. Voilà. Merci en pile. C'était le <coughs> représentant de Burkina Faso et justement qui était fait discours On un discours musclé. Ça veut dire que ça, y est important Et pour nous tendre. Parce que moi-même, je dis ça très bien. Franchement, bon, ben, bah, mais dire parce que, bon, c'est pas dit tout. Qu'est-ce qu'il dit moi Nous sommes qui ont pile courage. Et je dis, parole, ça, il dit, là même je dis dis dis, ça, moi, ça veut dire que je suis encouragé, jeune Haïtien, en yo. Prend responsabilité yo. Mais si sur l'écran, c'est lui-même qui est président Burkina Faso. Et c'est lui même. Et c'est Nanol, jeune homme ça, Ojoues, et, et, et chef diplomatie, Burkina Beyon, parlé là, Burkina Faso, ta parlé là. Et... Je... C'est donc garçon Kanson, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui te fait un coup d'État? 30 octobre 2022. Eh oui, 30 octobre <coughs> 2022, qui font pile par pile, mais M. Kembe paye il. Et le peuple décide, sans le parle élection, le peuple a dit que monsieur pour 5 ans dans ce pays. Après 5 ans, il a continué à faire élection. Naptone, je vais vous appeler, <coughs> Voilà, désolé. Je vais vous appeler, Kembe là. Je vais continuer à me parce que le pays pay a libéré. La CAI, pardon, il faut que des jeunes qui prennent responsabilité. L'œil de le Philippe dit non, le campé.